Dans leur quête de l'amour, Aurélien et Mathieu ont décidé de se marier au premier regard. Les deux jumeaux âgés de 36 ans participent à la saison 5 de l'émission diffusée sur M6. Une initiative lancée par Aurélien qui s'est dans un premier temps inscrit, suivi par Mathieu, comme il l'a expliqué au magazine Téléstar. Le jour où j'ai annoncé à mon entourage que j'allais passer le casting, Mathieu nous a dit que sa compagne avait rompu et qu'il était désormais célibataire. Du coup, il a postulé dès le lendemain. Que recherchent les jumeaux de l'aventure mariés au premier regard? Là où l'on se rejoint, si est-il que nous cherchions tous les deux une femme qui nous rendrait heureux et que l'on pourrait rendre heureuse en retour, explique Mathieu. En revanche, je suis déjà alors qu'Aurélien souhaite construire un foyer. Quel est leur type de femme? J'ai souvent eu des relations avec des personnes ayant des tempéraments très forts, pour ne pas dire durs, et ça n'a jamais fonctionné. Alors je souhaitais rencontrer quelqu'un de plus doux et apaisé. Aurélien, lui, a mis un point d'honneur à sélectionner le physique de sa potentielle future femme. Je pense que j'attache davantage d'importance au physique que Mathieu, même si je n'attends pas d'elle qu'elle soit parfaite. Sept couples dans la saison 5 mariés au premier regard est de retour pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés. Cette année les deux experts, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, ont pu former sept couples. Leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre, le mariage. Cette année, les célibataires que nous verrons à l'antenne viennent d'Île-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.